Mais ce matin, nous allons parler de notre sujet favori de l'heure, la crème glacée. La glace, c'est de l'affectif pur sucre. Des souvenirs de vacances, d'un goûter en famille, d'une récompense parce qu'on a été sage. Bref, la glace, c'est l'enfance. Pour moi, quand je vois la forme du cône, ça veut dire... c'est le week-end, ou même c'est les vacances. Petits et grands, les Français en raffolent. Ils en dévorent 6 litres par habitant chaque année. C'est devenu leur dessert préféré. Du coup, les industriels ont multiplié les formats et les parfums. Mais toutes ces glaces aux couleurs vives se valent-elles vraiment? Quelle est leur composition? Comment justifier des écarts de prix allant de 1 à 10? Vous êtes loin d'imaginer ce que les industriels vous font payer. Ça veut dire que la moitié de ce produit est composée par de l'air. Donc on achète de l'air, en fait. Donc on achète de l'air au poids de la glace. De l'air, des arômes de synthèse, des additifs de toutes sortes. Les industriels ont leur petit secret pour berner le consommateur. Mais qu'en est-il du petit glacier de quartier ? Beaucoup de ces soi-disant artisans utilisent en réalité des préparations toutes faites qu'ils se contentent de mélanger. Certes, c'est un assemblage, mais je suis obligé. Comment voulez-vous que je fasse? Je vais prendre ma pistache, ma noisette, ma coco, casser ma coco, aller traire... Dans ces cas-là, pourquoi je me fais livrer mon lait? Je peux aller traire ma vache aussi, faire ma crème. On peut pas rater une glace avec ça? Ah non, pas du tout. Pas du tout, certainement pas. C'est très facile, aujourd'hui vous avez des machines qui font tout, quoi. Donc c'est très simple d'utilisation. Artisan aujourd'hui ça veut plus rien dire, quoi. C'est, vous pouvez être artisan en ouvrant des boîtes. Alors, toutes ces glaces que vous dégustez en famille, savez-vous vraiment ce qu'elles cachent? Révélation sur un marché totalement givré, où le meilleur peut côtoyer le pire. Si vous allez à Royan, il y a un passage obligé, une institution comme on dit. Ici, c'est le royaume des berlingots, de la nougatine, de la guimauve. Mais l'adresse est surtout réputée pour ses glaces. Des esquimaux faits à la main, croquant à souhait et parsemé de poussière de cacahuètes. Ici, les boules sont généreuses. Les parfums, il en existe une cinquantaine. Du coup, les gourmands n'hésitent pas à y mettre le prix. 2,70€ la boule, 3,70€ les deux. C'est un peu plus que la moyenne. Chocolat. Depuis 30 ans, Manuel Lopez aime offrir du plaisir glacé aux papilles, comme le faisaient son grand-père et son père avant lui. À l'écouter, son produit se résume en un seul mot. C'est une récompense. Pour celui qui la fabrique, quand il voit, le sourire sur la tête des gens qui la mangent, et c'est une récompense pour eux, pour ceux qui l'achètent. Si d'un côté ou de l'autre, à un moment ou à un autre, ce n'est pas une récompense, donc il faut changer de métier ou de business. Manuel Lopez a été élu parmi les meilleurs artisans glaciers de France par le guide Goemio. En coulisses, nous allons découvrir ses secrets de fabrication. D'abord, il faut réussir ce qu'on appelle la base, concoctée à partir d'ingrédients très simples. Principalement du lait, de la crème,
du sucre ou des sucres. 60% de lait. Ici, on a fait le choix du lait cru. Au niveau du goût, on a une longueur en bouche qui est extraordinaire, quoi. Il ajoute 10% de crème et 15% de sucre. Ensuite, des jaunes d'œufs pour épaissir la préparation, ce qui permettra à la glace de fondre moins vite. Mais attention, selon les parfums, les proportions de ces ingrédients changent. Et c'est là tout l'art de l'artisan glacier, réussir le bon dosage. Ça, c'est mon classeur de recettes. Vous voyez la taille qu'il fait ? C'est que j'ai une recette quasiment pour tout. Crème glacée chocolat au lait, crème glacée chocolat, crème glacée sarrasin, Nutella y est aussi. Il faut être vraiment calé en technologie alimentaire pour faire des bonnes glaces. Si on veut vraiment pousser la fabrication jusqu'au bout et faire tout soi-même, c'est de la technologie. Oui, c'est la base, c'est 50%, 75% du métier, c'est la technologie. Il n'y a pas de secret. Mais les rois de la technologie sont aussi les maîtres du goût. La plupart des parfums sont faits maison. La cuisine sent bon le beurre et le sucre quand le caramel roussit au fond de la casserole. Le praliné est cuisiné avec de vraies amandes et de vraies noisettes. Pour vérifier si les fruits secs sont bien torréfiés, vous le croquez. Ouais. La plupart des sorbets sont préparés avec des fruits frais. Ce jour-là, ils vont presser 40 kg de pamplemousse pour faire 60 litres de glace. Les purées de fruits congelés sont réservées aux fruits exotiques. Quel que soit le parfum, il est ensuite mélangé à la base dans le pasteurisateur. Une heure de cuisson à 85 degrés. Après 4 heures de repos, le mélange, qui n'est encore qu'une sorte de crème anglaise, va passer à la turbine. C'est sous l'effet du brassage et de l'introduction de l'air que va se former la crème glacée. Ça, je vais vous dire, c'est ma madeleine de Proust. C'est la sortie de la glace de la turbine, mon oncle ou mon grand-père sur la place Brochard dans les années 60. Ça, je peux m'endormir tous les soirs, je peux mourir après. Tout va bien. Manuel Lopez est un artisan à l'ancienne. Il ne vend ses glaces qu'au beau jour, de mars à novembre. Mais voilà, on n'en profite que quelques fois par an, en vacances, loin de chez soi. Alors, les Français ont trouvé un autre moyen d'assouvir leur gourmandise. Quelque part en Bretagne, près de Dinan, un papa, une maman et trois petits blonds, tous fans de crème glacée dégustée à la maison. Caramel spéculoos. Multiplication des parfums et des marques. Aujourd'hui, comme dans cette famille, 70% des glaces sont consommées à domicile. C'est le dessert qui fait l'unanimité au moment des repas. Et le petit plaisir à l'heure du goûter. Mais les glaces, ce n'est pas que pour les enfants. Depuis un an et demi, Stéphane, le papa, craque régulièrement sur des glaces américaines. Je mangeais pas beaucoup de glaces et j'ai arrêté de fumer. Puis je me suis mis à manger des glaces et puis voilà. Ah oui ? Voilà, pour compenser peut-être. Et cela se passe quand les enfants sont couchés. J'ai envie de dire, c'est presque un petit péché, quoi. Tu veux une petite glace, mon chéri ? On se dit, bon, allez. C'est presque un peu honteux. On sait qu'on n'en a pas besoin, mais c'est un plaisir qu'on s'accorde. Et souvent, ces produits-là, on ne les donne pas aux enfants. Bien souvent, le pot de 400 grammes y passe. En 20 ans, la consommation de glace en France a été multipliée par 6. Une marque a particulièrement fait évoluer les habitudes. Elle a fait passer la glace d'une sucrerie pour enfants à un véritable plaisir d'adulte. Cette marque, c'est Häagen-Dazs. Et les Français en sont fondus. C'est d'ailleurs sur les Champs-Élysées que se trouve la plus grande boutique au monde. Ouverte toute l'année, elle accueille jusqu'à 6000 clients par jour, venus retrouver un goût, mais aussi une texture. C'est vrai, elles sont très bonnes, elles sont onctueuses, il y a plein de parfums, voilà, c'est sympa, quoi.
Ce n'est pas un produit simple, banal. Ils ont créé de nouveaux parfums en mettant des morceaux de cookies dedans, en associant différentes sauces. Et la glace est très crémeuse. Vendue en France depuis 1990, la marque est en fait une vieille dame dont l'histoire commence il y a plus de 95 ans dans les quartiers malfamés de New York. Häagen-Dazs doit tout à cet homme, Ruben Mathus. Il débute en vendant les sorbets de sa mère dans les rues du Bronx. Pourtant, il rêve de plus grand. Dans les années 60, le marché de la glace explose aux États-Unis, mais les produits sont de piètre qualité. Alors, pour se démarquer, Ruben Mathus mise sur le luxe. Rose, sa femme, a le sens de la mise en scène. Elle va l'inciter à trouver un nom exotique pour leur marque. Un nom créé de toutes pièces, à consonance danoise. Au départ, il voulait vraiment quelque chose qui évoquait effectivement ce froid, ce côté un petit peu nordique et scandinave qui allait bien avec le produit. Et il a même voulu rajouter justement ce umlaut, donc les deux points, pour donner encore plus finalement ce côté très nordique, alors qu'on apprend aujourd'hui que le umlaut n'existe pas du tout dans la langue danoise. Donc on se retrouve finalement avec un nom à consonance scandinave, avec un umlaut allemand. Et le succès est au rendez-vous. Partout, aux États-Unis, on veut goûter cette glace riche et crémeuse. Dans les années 80, la marque débarque en Europe. Son credo, une glace pour adultes, avec une publicité sexy. Dernièrement, Häagen-Dazs s'est offerte une égérie, Bradley Cooper. Le George Clooney de la crème glacée. Tout de suite, quand on entend Häagen-Dazs, on se dit « Ah, ça fait un peu chic, quoi ». Au niveau du prix, on peut parler de luxe aussi quand on veut s'acheter deux boules. Là, par exemple hein. Eh bien, là, par exemple, j'en ai pour 6,50 €. Une glace vendue comme du haut de gamme, plus chère que chez notre artisan glacier. Mais comment l'expliquer ? Première surprise, la glace Häagen-Dazs est produite en France, près d'Arras, dans le Nord. D'ici partent des dizaines de millions de pots de glace qui seront vendus dans le monde entier, Amérique du Nord exceptée. Le prix de chacun de ces pots de 400 grammes, plus de 5 €. La marque nous affirme que c'est dû à la qualité des matières premières. D'ailleurs, dès notre arrivée, le directeur tient à nous montrer le lait frais, livré ici chaque matin. C'est du lait qui a été collecté il y a seulement quelques heures chez l'agriculteur, qui a été ensuite pasteurisé à la coopérative. On travaille nos produits qu'avec des matières fraîches. Le lait en poudre est strictement interdit dans nos recettes. Et puis, ce qui fait la renommée de la marque, les saveurs originales, ça aussi, ça se paie. La fameuse noix de macadamia, par exemple. Pour vous régaler, il a fallu la faire venir de très très loin. C'est un produit vraiment très très cher. C'est un produit qui vient d'Hawaï, car c'est là où elle présente le goût le plus optimal. Pas moins de 60 € le kilo pour ce qui est vendu comme la crème des noix. Autre petit trésor. Voilà. Donc ici, en fait, c'est la poudre de spéculoos. Vous le reconnaissez ? Ce petit biscuit épicé couleur caramel. C'est un produit fabriqué pas très loin d'ici, en Belgique, par le spécialiste du spéculoos. À tout bout de champ, le directeur de l'usine tient à nous rappeler ce qui fait la spécificité d'Häagen-Dazs. Nous n'avons aucun additif, aucun colorant dans nos recettes. C'est l'ADN de la marque d'être en fait un ingrédient totalement naturel. Ici, comme chez notre artisan glacier, pas de traces d'additifs artificiels. Les matières premières sont mélangées, passées au freezer. Cette machine y ajoute un ingrédient final. Et pas cher du tout, de l'air. Si nous ne mettions pas d'air dans la glace, vous auriez un bloc de glace comme un glaçon. L'air va faire que dès que vous sortez votre pot du congélateur,
vous allez pouvoir enfoncer votre cuillère très rapidement parce que il y a beaucoup d'air. Pour la crème glacée Häagen-Dazs, et c'est d'ailleurs un petit supplice, il faut attendre un petit moment, ça peut prendre 10 minutes avant de pouvoir manger sa crème parce que le taux d'air est très faible. Ce taux d'air, on appelle cela le foisonnement. Cette machine est programmée pour en introduire entre 15 et 20%. Chez Häagen-Dazs, on ne veut pas en abuser, contrairement à d'autres. Un industriel peut, s'il le veut, mettre 100, 150% d'air dans sa crème glacée. Peu d'air, donc beaucoup de matière. Des ingrédients nobles, une fabrication française. Tout cela explique que la glace Häagen-Dazs coûte deux fois plus cher que les autres glaces industrielles. Dans les rayons des supermarchés, les écarts de prix d'une marque à l'autre sont très importants. Plus de 23 euros le litre pour celle-ci, contre 1,90 euros pour celle-là. Mais comment faire le tri pour acheter une glace de qualité ? Florence Imbert, journaliste au magazine Que Choisir, va nous aider à découvrir la face cachée des bacs à glace. Et elle a un truc pour débusquer les industriels qui nous vendent du vent. Il faut bien regarder les étiquettes et surtout, il faut bien regarder le poids du produit qui correspond à ce qu'effectivement on va consommer. Ce n'est pas l'air qu'on achète, c'est la crème glacée. Et là, on s'aperçoit que pour 500 millilitres, 1 demi-litre, on a 430 grammes de produit. Donc, ça veut dire que c'est une glace qui a du poids. Alors que si on regarde, par exemple... caramel au beurre salé, on s'aperçoit que, en fait, là, on a pratiquement la moitié moins de matière, puisqu'on a 500 grammes pour 1000 millilitres. Ça veut dire que la moitié de ce produit est composée par de l'air. Donc on achète de l'air, en fait. Donc on achète de l'air au poids de la glace. Depuis décembre 2014, la réglementation européenne oblige les industriels à indiquer le poids des glaces, en plus de leur volume. Alors, nous avons fait des petits calculs pour savoir quelles sont les marques les plus gonflées. Au bon d'essai, les marques Carrefour, Carte d'Or, Picard, Häagen-Dazs, La Laitière et Auchan, toutes parfums chocolat. Pour chacun des bacs, nous avons calculé la proportion d'air et de matière. Et les résultats jettent un froid. Les marques distributeurs tournent autour de 45% d'air dans leur bac. C'est moins que La Laitière et Carte d'Or, pourtant plus cher. La glace Häagen-Dazs est le bon élève en se contentant de 18% d'air. Et Picard, le plus mauvais puisque la marque injecte 53% d'air. Et c'est légal ? Les glaciers peuvent, ni vu ni connu, se mettre dans le cornet jusqu'à 55% d'air par litre de glace, avec la bénédiction de la répression des fraudes qui a validé ce taux en 2001. Et à ce propos, vous ne devinerez jamais qui a amélioré les techniques d'injection d'air dans la glace. C'est quelqu'un de très célèbre. Cette femme, vous ne la reconnaissez pas ? Eh bien, c'est Margaret Thatcher. Non, ce n'est pas une blague. À la fin des années 40, elle termine ses études de chimie à Oxford et intègre la société de glace Lyons & Company. Elle met alors au point un processus qui permet de foisonner davantage les glaces et augmenter les marges de l'entreprise. Avant d'avoir été la dame de fer, Maggie était la dame de l'air. Mais la quantité d'air n'explique pas à elle seule ces écarts de prix. Que mettent les géants de l'agroalimentaire dans leur glace? Nous avons sollicité les deux grands du secteur. Unilever, qui possède les marques Carte d'Or, Magnum et Mico. Et Nestlé, détenteur d'Extrême, Smarties ou La Laitière. Ils représentent à eux seuls 40% du marché. Mais aucun des deux n'a voulu nous ouvrir ses portes.
Alors, nous sommes allés chez des repentis qui, pendant des années, ont fabriqué de la glace industrielle. Bienvenue à Carcassonne. Jusqu'en 2012, ce bâtiment abritait une des plus grosses usines de glace en France. Ici travaillaient 120 personnes. Elle fabriquait à la chaîne 23 millions de litres par an pour des marques distributeurs des supermarchés. Christophe Barbier a travaillé plus de 10 ans dans cette usine. Donc là, on voit que vraiment, c'était tout démantelé, quoi. Ici, il faut s'imaginer qu'il y avait des machines de fabrication, où il y avait de la vie, où il y avait du travail, du bruit. Après leur licenciement, une poignée de salariés a décidé de monter une entreprise coopérative installée dans une partie de leurs anciens locaux. Pour eux, plus question de faire de la glace industrielle. Ils fabriquent désormais un produit haut de gamme. Leurs recettes d'aujourd'hui et celles d'hier n'ont vraiment rien à voir. Pour nous, ils ont accepté d'en comparer les ingrédients. Pour une glace à la vanille, voici ceux de leur recette actuelle, très proche de la recette artisanale. Et en dessous, les ingrédients utilisés jadis pour fabriquer de la glace industrielle. Le lait, tout d'abord. Dans la glace industrielle, il était remplacé par ces laits lyophilisés qui sont mélangés avec de l'eau. Un produit comme celui-ci, c'est un produit qui coûte trois fois moins cher que lait entier. Et derrière, qui amène derrière une qualité moindre parce qu'il y a une notion de texture totalement différente. Au lieu de mettre du sucre, ils utilisaient ce sirop de glucose-fructose. Moins cher, mais de moins bonne qualité. Et pour le parfum, pas de gousse de vanille, mais de l'arôme artificiel. Avec, en prime, ces petits grains de gousse déshydratés qui n'ont absolument pas de goût et qui sont là pour vous leurrer. On appelle ça des marqueurs, qui sont là pour montrer, donner la trace et la marque de la gousse de vanille. Mais en fait, ce sont des gousses broyées, épuisées, qui ont déjà donné tout leur arôme. C'est pour faire croire qu'on a utilisé de la vanille Oui. Aujourd'hui, utiliser ces méthodes leur paraît être une hérésie. Désormais, ils achètent des gousses de vanille qu'ils font infuser dans le lait. C'est la vraie gousse de vanille qui vient directement de Madagascar. On a la chance de travailler avec un producteur, en direct avec un producteur. Ça sent bon ? Santé. Vous connaissiez pas, vous, avant, comment se... Ben non, justement. Justement, moi, la vanille, je ne connaissais pas du tout. Ces gousses de vanille étaient beaucoup trop chères pour entrer dans la fabrication d'une glace destinée aux marques des distributeurs. Nos repentis nous dévoilent aussi que pour appâter le client, les industriels ajoutent tout un tas de colorants. Ainsi, presque tous les parfums ont des couleurs artificielles. La pistache, elle est verte alors que vous la broyez, elle est marron. La menthe, c'est blanc, c'est pas vert. Donc il y a beaucoup de... n'importe quel produit. Tous les produits sont marketés avec des codes couleurs. Et pas facile de s'y retrouver. Prenons l'exemple de la glace à la vanille. Tous les emballages nous font miroiter des parfums venus d'ailleurs. Et pourtant, un petit cours de lecture d'étiquette s'impose. Quand vous lisez « extrait » ou « gousse de vanille », pas de doute, vous êtes sûr que c'est issu de la vanille, la vraie. À l'opposé, les inscriptions « arômes ». Dans ce cas, sachez que ce sont des arômes de synthèse créés en laboratoire. Jusque-là, c'est simple. En revanche, les appellations « arômes naturels de vanille » ou « arômes naturels » sont plus ambiguës. Pour y voir plus clair, rendez-vous avec Hervé Tiss, un scientifique passionné de chimie, de physique et de gastronomie. C'est une sorte de savant fou. Quand vous lui parlez de vanille, il vous dessine une molécule. Il vous la construit même. La voilà, la molécule principale de la vanille. Son nom,
la vanilline. Et chose incroyable, cette substance, on sait la fabriquer avec d'autres plantes que la vanille. On prend des aiguilles de pin, on les fait fermenter avec des micro-organismes qui sont là, qui sont donc parfaitement naturels. Les aiguilles de pin sont naturelles et on fabrique de la vanilline. Et on fabrique de la vanilline qui a été fabriquée naturellement par fermentation naturelle, comme on ferait du vin, comme on ferait du fromage, comme on ferait des saucissons, et qui sent exactement, c'est la même vanilline, c'est la même molécule, et donc on fait quelque chose qui est naturel. Et pourtant, ça ne vient pas de la vanille. Ce goût de vanille peut aussi être obtenu à partir de betteraves ou de riz. Donc souvenez-vous-en, quand vous lisez « arôme naturel de vanille », il n'y a pas l'ombre d'une gousse. L'avantage de ces arômes, quel que soit le parfum, c'est d'être extrêmement concentré. Tous ces composés-là sont extraordinairement puissants. Celui-là, par exemple, le paraéthylphénol, même sans l'ouvrir, ça sent le caoutchouc brûlé. Si vous mettez un cristal dans une piscine, ça vous fait une odeur de whisky tourbé. Si vous diluez encore plus, ça vous fait l'odeur de cuir des vieux Bourgognes. Donc c'est merveilleux. Ça coûte rien, ça. Un gros atout quand on sait que les extraits de vanille coûtent 1500 euros le kilo. La vanille de synthèse, elle, est 100 fois moins chère, incontestablement la plus économique pour l'industriel. En plus des composants de base, des arômes et des colorants, certaines glaces industrielles sont fabriquées avec une liste d'ingrédients à rallonge. Nous sommes allés faire décrypter quelques étiquettes à un nutritionniste. Arnaud Cocolle s'étonne que certaines glaces comportent jusqu'à 30 ingrédients. Exemple de celle-ci, vanille aux noix de macadamia. Et devinez à quelle place arrive la fameuse noix. Là, vous avez des correcteurs d'acidité, des arômes, des colorants. La noix, quand même, de macadamia, ce qui est bien parce que c'est ce qu'on cherche au départ, mais elle arrive vraiment en milieu de peloton. Mais ce qui l'inquiète surtout, c'est l'omniprésence d'un ennemi de notre santé. C'est vrai que le premier additif, il faut savoir quand même que c'est le sel. C'est quand même surprenant de tomber sur du sel dans cette glace. Le sel, pourquoi ? Parce que le sel permet à l'industriel d'optimiser le poids. C'est-à-dire que l'eau va être retenue grâce au sel, donc il va mettre moins de parties nobles, entre guillemets, de glace, plus d'eau. Donc pour ceux qui ont des maladies cardiovasculaires ou qui font de l'hypertension, c'est le genre de produit sur lequel il faut se méfier. Et le plus aberrant, c'est que pour neutraliser l'acidité contenue dans ce sel, il faut ajouter un autre additif, le E332. Plus la liste des ingrédients est longue, plus c'est suspect. Plus vous avez des additifs qui sont rajoutés ou des colorants, des choses comme ça, plus c'est un genre de produit sur lequel il faut être extrêmement vigilant, voire, je dirais carrément, le boycotter. Vous voyez ? Pour échapper à tous ces additifs, rien de mieux que d'acheter un cornet chez un glacier artisanal, me direz-vous. Pas si sûr. Nous allons vous expliquer pourquoi et comment la grande majorité de ceux qui se disent artisans ne le sont pas vraiment. Au cours de notre enquête, nous sommes tombés sur ces sites internet. Sur ces vidéos, une entreprise nommée Fabri propose des recettes pour des artisans glaciers. On y mélange du lait, de la pistache en boîte et une poudre blanche appelée base. Facile, rapide. Voilà une glace bien bombée, bien colorée. Miam miam! On est loin des méthodes de notre artisan de Royan. Mais qui utilise ces poudres magiques ? Nous partons pour la capitale française de la glace, Nice. C'est la cité qui compte le plus grand nombre de glaciers en France. Nous allons leur poser quelques questions en caméra discrète. Et nous allons obtenir toujours les mêmes réponses. Les poudres, les bases, connais pas. C'est pas fait avec des poudres et tout ça ? C'est tout Amazon. Ah. En fait, moi, on me raconte que les glaciers mettent beaucoup de poudre et de trucs et de... Non. Pas vous. Fait maison ? Oui. D'accord. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de poudre dedans et tout, hein ? Oui. Il y a de la poudre ? Non, il n'y a pas.
Pourtant, selon nos informations, plus d'un artisan sur deux utiliserait ses poudres et ses produits. Mais au sein de la profession, c'est l'omerta. Après bien des recherches, un seul glacier a eu le courage de révéler les pratiques de la majorité de ses confrères. Pierre Vera assume utiliser ses poudres et tout un tas de produits déjà élaborés pour fabriquer ses glaces. Et quel que soit le parfum, ça commence toujours de la même manière. Alors, sucre, crème, lait et base. Alors, donc, cette fameuse base. Pour lui, cette poudre rend sa glace bien meilleure. Pour le service et quand vous la mangez, c'est beaucoup plus onctueux, beaucoup plus doux qu'une glace qui va être dure, qui va être rigide, qui va être froide. Mais le gros avantage, c'est qu'avec cette base toute faite, il n'a plus besoin de faire tous les calculs d'ingrédients pour équilibrer la recette. La glace devient ainsi inratable, quel que soit le parfum. 95% du métier utilise, je ne vais pas dire 100% pour garder un petit peu, mais on utilise tous ces mêmes produits. Ensuite, plus besoin d'équeuter des fraises ou de faire un caramel. Pâte à noisettes. Tout est dans la boîte. On appelle cela des pâtes aromatiques. Pierre Vera en a de toutes sortes sur ses étagères. Et à chaque parfum, sa pâte. Plus qu'à passer le mélange à la turbine et la glace est prête. On est davantage dans l'assemblage que dans l'artisanat. Certes, c'est un assemblage, mais je suis obligé. Comment voulez-vous que je fasse? Je vais prendre ma pistache, ma noisette, ma coco, casser ma coco. Dans ces cas-là, pourquoi je me fais livrer mon lait? Je peux aller traire ma vache aussi, faire ma crème. Donc on peut, décupler. Il y a un gain de temps quand vous utilisez ces produits. Et il n'a aucun scrupule. Pour lui, utiliser ces produits industriels serait même devenu la règle dans tous les métiers de bouche. C'est comme les pâtissiers, je veux dire. Maintenant, la plupart des boulangeries, ils font même plus leurs croissants, plus leurs pains au chocolat. Il y en a encore dans lesquels vous pouvez en trouver, mais c'est de plus en plus rare. Ça va être carrément du tout fait. Le coût du travail en France coûte tellement cher que les gens préféreraient embaucher. C'est pas ça le problème, c'est que ça coûte tellement cher que maintenant, les gens ils prennent des produits semi-finis ou complètement finis, quoi. Mais quelle est la composition de ces produits semi-finis qui servent à fabriquer de la glace? Pierre est resté très vague. Pour les bases, il nous parle d'algues et de produits naturels, mais sans avoir voulu nous montrer leur composition. Ce que vous voulez. Vraiment. Les principaux fabricants de poudre et de pâte s'appellent Fabry, Prégel ou Mec 3. Des industriels italiens qui ont refusé nos demandes de tournage. Alors nous nous sommes orientés vers un distributeur en France, direction Saint-Laurent-du-Var, à quelques kilomètres de Nice. C'est gentil, grazie. Ciao, stammi bene, ciao. Charles Meyertard importe d'Italie tous les produits pour fabriquer de la glace et les revend aux artisans. Et d'abord, les fameuses bases. Et là-dedans, vous avez déjà tout prémixé. Selon le distributeur, cette poudre ne serait qu'un mélange d'ingrédients utilisés depuis toujours par les glaciers. Dans cette base, donc pour crème glacée, vous avez ce qu'on appelle le stabilisant, avec ses sucres, glucose et dextrose. Sauf que là, bon, c'est des quantités, on va dire, industrielles. Vous avez des sacs de 25 kilos. Là, vous avez tout dans 2 kilos. Sauf qu'en lisant la liste des ingrédients, on comprend que ces bases sont bourrées d'autres composants que juste du sucre et des stabilisants. Alors, graisse végétale, sirop de glucose, dextrose, poudre de lait maigre, maltodextrine, lactose, émulsifiant, épaississant. Le premier ingrédient, c'est graisse végétale. Pourquoi on met de la graisse végétale? Il n'en met pas, par exemple, un glacier artisan traditionnel qui n'utilise pas ce produit, il n'en met pas. Il peut en avoir des graisses végétales. C'est juste...
Je ne sais pas quoi vous dire. Et parce que ces graisses n'ont rien à faire dans une glace, Charles Meyer va essayer de nous prouver, coûte que coûte, que les graisses végétales, il y en a partout. Alors, il va même en chercher dans ce paquet de sucre. Il n'y a que du dextrose. Mais c'est une bonne question. Hein. C'est... Bon, aujourd'hui, tout le monde travaille comme ça. Hein. Et pourtant, ce n'est pas anodin. Les graisses végétales, comme l'huile de palme, sont controversées. Riches en acides gras saturés, elles accroissent les risques cardiovasculaires. Bien sûr, dans son kit de parfait glacier, il a aussi des pâtes aromatiques qui vont faire le parfum de la glace. Pistache. Ah. La célèbre pistache. Donc là, elle est verte, on l'a colorée en fait. Ouais, elle est colorée, ouais. Mais ça, c'est parce que, bon, c'est un peu la demande du client. La couleur verte, sinon il a tellement été habitué en fait à la couleur verte. Enfin, moi, ce qui me concerne, dans ce que je veux en Italie, je veux dire, quand je vois qu'elle est pas très verte, je sais qu'elle elle est pure, quoi. Mais bon, après, c'est... Elle est meilleure quand elle n'est pas trop verte, en fait. Tous les goûts sont dans la nature. Hein. Mmh. Entre les arômes prêts à l'emploi et les bases truffées de stabilisants, d'additifs et d'huile végétale, les glaces fabriquées ainsi ne valent guère mieux que les glaces industrielles de supermarché. Et pourtant, fait incroyable, leurs utilisateurs ont le droit d'inscrire sur leur devanture « fabrication artisanale » ou « fabrication maison ». La seule condition pour pouvoir mettre ces mentions est qu'au moins une personne de l'entreprise soit titulaire d'un CAP de glacier. Cette appellation de « fabrication artisanale » n'offre donc aucune garantie quant à la qualité de la glace. À Royan, cette situation rend furieux un de nos interlocuteurs. Améliorant pour sucre, améliorant pour graisse. C'est vraiment, je ne regarde jamais parce que je ne sais même pas qu'il y avait autant de trucs. C'est Boris Lussault, le chef glacier de Manuel Lopez. Et si vous voulez le mettre en colère, vous n'avez qu'à lui montrer les catalogues vantant les mérites des poudres et des pâtes aromatiques. Carrément, salut. Produit complet à utiliser en ajoutant seulement du lait, quoi. On ajoute du lait et on fait de la glace. En gros, c'est ça qu'on nous vend, quoi. C'est juste une blague, quoi. Alors, artisan, aujourd'hui, ça veut plus rien dire, quoi. C'est, vous pouvez être artisan, on nous vend des boîtes. Mais ce qui le choque vraiment, c'est que ces sociétés sont en train de fabriquer des goûts standardisés. Ils sont plus implantés que l'OTAN dans le monde, quoi. Il y en a partout. Et en plus, c'est que c'est une uniformisation du goût, quoi. La glace fraise ou banane que vous allez faire avec Mec 3, que vous soyez au Koweït, au Pakistan, au Vietnam, ou en Corée du Sud, ou en Espagne, ou partout dans le monde, il aura le goût de chez eux. Voilà. En attendant que la législation soit plus claire et distingue les vrais des faux artisans, évitez les glaces trop gonflées, trop colorées, en général synonyme de poudre et d'arôme artificiel. Pour se distinguer de ces vendeurs de poudre, une enseigne joue la carte du naturel, avec un marketing soigneusement étudié. Son nom, Amorino. Ici, on se vante de tout faire dans la tradition italienne, sans additifs ni colorants. Cette chaîne de glaciers conquiert nos centres-villes avec près de 60 boutiques en France et plus de 50 à l'étranger. Un nouveau concept qui fleure bon l'authenticité. Pourtant, ces boutiques ne sont que des points de vente. Toute la glace est fabriquée en région parisienne, dans cette usine, près d'Orly. Et à l'origine de ce nouveau concept, Cristiano Serini. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Très bien, et vous? Très bien. Ne vous fiez pas à son teint hâlé ou à son air décontracté. L'homme est un travailleur acharné et un petit génie des affaires qui a commencé jeune dans un business qui n'avait rien à voir. À 24 ans, il part d'Italie et s'installe en France. Il se lance dans la location de cassettes vidéo. Il parie sur des distributeurs automatiques qui fonctionnent 24 heures sur 24. En 8 ans, il crée ainsi un réseau de 3000 points de distribution, Cinébank. En vendant son entreprise, il fait un sacré coup, car il sent la fin des vidéoclubs arriver.
On dit que le train passe une seule fois, c'était... Je l'ai pris, j'ai pris le bon train. Parce qu'on vous a fait une offre, en fait, on vous a acheté votre entreprise ? Exact, oui. Ça a été fait en plusieurs étapes, mais oui, ça a été acheté par un fonds d'investissement et par un de nos concurrents. Pour une somme importante, intéressante ? Oui, je ne l'ai pas offerte, c'est clair. C'était une belle entreprise. Avec son magot et son ami d'enfance, il décide d'ouvrir une chaîne de glaciers. Avec pour emblème une fleur. Une idée empruntée à des artisans italiens. 13 ans plus tard, Amorino, c'est 40 millions de chiffre d'affaires. Mais pour que sa marque soit immédiatement reconnaissable, Cristiano Serini impose un aménagement standardisé à toutes les boutiques. Il contrôle même en personne tous les plans pour que la glace soit toujours visible de la rue. Et on voit la vitrine à glace, on s'arrête. Donc la vitrine à glace pour nous est le centre du magasin. Un client qui passe devant la rue puisse toujours regarder qu'est-ce qu'on est en train de vendre. Vous voyez, ça c'est très important parce que quand on met la vitrine par exemple dans l'autre sens, il y a 5 personnes devant la vitrine, vous ne voyez plus rien. Et donc nous, on essaye toujours de montrer le produit de l'extérieur, même quand il y a beaucoup de monde. Donc ça veut dire perpendiculaire à l'entrée en Absolument. Fait, c'est ça ? Tout le temps. Tout le ah temps. Oui, alors qu'effectivement, dans les autres commerces, c'est toujours parallèle à l'entrée. Non, je vous ai dévoilé un secret. Selon lui, au-delà de tous ces petits secrets, ce serait la qualité de la glace qui ferait le succès de l'enseigne. Pourtant, impossible d'accéder au laboratoire de fabrication situé au rez-de-chaussée. Et alors la glace, elle est où dans tout ça ? Le site de production ? Alors, ça, c'est... de la confidentialité, donc je ne vous la montrerai pas. Même s'il produit 2 millions de litres de glace par an, Cristiano Serini veut garder une image de glace artisanale et surtout ne pas montrer une fabrication à grande échelle. L'une des clés de son succès est de mettre des personnes surmotivées à la tête des magasins. En effet, presque toutes les boutiques sont des franchises. Du coup, elles sont dirigées par des gens qui font tout pour que ça marche. Car elles ont investi beaucoup d'argent pour s'offrir la marque. Ticket suivant. Il y a un mois, Olivia Gauvin était banquière. Bientôt, elle ouvrira un Amorino à La Rochelle. La reconversion est osée et l'investissement de taille. Près de 400 000 euros entre l'achat du pas-de-porte et l'aménagement des lieux. Alors pour être sûre de réussir, elle suit une formation avec Michaela Bincoletto. Du moment que tu vas coller ton pétale, il va mettre sable parce qu'il ne va pas toucher le corner. Pour faire tourner sa boutique, Olivia doit être précise sur les poids de chaque glace. L'important, c'est de toujours respecter le bon poids. Donc on sait que le petit cornet, c'est 137 grammes, avec une tolérance de plus de 5 grammes. D'accord. Mais la formatrice va surtout lui donner des astuces pour vendre un maximum. N'oublie pas la petite vente complémentaire, si possible. Le chantier fait maison, la boisson, juste pour donner envie à nos clients et leur... lui montrer qu'on a plus que la glace. D'accord, oui. Bonjour. Bonjour. Et pour cause, ces ventes complémentaires représentent 20% du chiffre d'affaires des boutiques. Tous ces conseils, Olivia les respecte à la lettre, car c'est dans son intérêt. Oui, le classique, vous voyez, c'est celui du milieu, là. On ne se sent pas lâché comme ça. Allez, on ouvre la boutique, débrouillez-vous. Non, pas du tout. Ouais. Tout est bien organisé. Enfin, on sait ce qu'on fait le matin en arrivant. Tout au long de la journée, on sait ce qu'il y a à faire. Et du coup, moi, ça me rassure. Un modèle qui marche. Amorino compte d'ailleurs ouvrir 30 nouvelles boutiques cette année dans le monde. Allez. Aujourd'hui, la glace artisanale ou industrielle a le vent en poupe. Nous en avalons chaque année 360 millions de litres. Mais attention, même si de bons produits sont utilisés, cet aliment est riche en sucre, une des causes principales de l'obésité. Manger deux simples boules, c'est comme avaler 5 morceaux de sucre. C'est toujours moins calorique qu'un éclair au chocolat, l'équivalent de 7 morceaux. Mais quand même beaucoup plus qu'une tarte aux pommes, seulement 3 petits bouts de sucre. Retrouvons notre nutritionniste. Selon lui, l'autre problème avec la glace, c'est le gras. En particulier celui que l'on trouve dans les glaces industrielles, l'huile de copra. Là, vous avez des matières grasses végétales et entre parenthèses, ils vous ont mis que c'est l'huile de copra qui est constituée d'acides gras saturés. C'est l'huile de coco. C'est comme l'huile de palme en fait.
Ça fait partie de la même famille que l'huile de palme. Qu'est-ce qu'elle cause, en fait, cette huile de... Alors, quand vous en abusez, en fait, chez certains sujets plus prédisposés, ça peut augmenter les maladies cardiovasculaires. Vous voyez, c'est les acides gras saturés. On doit faire la guerre contre cela parce que nous sommes dans une nourriture manufacturée occidentale qui incite à consommer un peu trop d'acides gras saturés. Les acides gras saturés, vous les retrouvez dans les charcuteries, dans le fromage, mais les glaces sont des gros pourvoyeurs. Donc, si ça reste un produit plaisir, ponctuel, épisodique, il n'y a pas de danger. Si ça fait partie de nourriture quotidienne, là, je pense qu'il y a vraiment danger pour tout à chacun. Si on est tellement accro à la glace, c'est parce que cet aliment combine justement le sucre et le gras. Une association qui rend notre cerveau addict. Et pour cause, ça lui rappelle de vieux souvenirs. Le liquide amniotique est gras sucré. Le lait maternel est gras sucré. Donc les premières saveurs d'apprentissage d'un fœtus, ce sont le gras et le sucré. Donc ça a un côté très rassurant et c'est un côté qui, certainement dans notre cerveau, rappelle des souvenirs d'une époque in utero qu'on a oubliée. En tout cas, c'est un aliment doudou. Conscient du danger de cet aliment doudou, certains préfèrent un dessert glacé d'un nouveau genre. Un samedi après-midi, dans un centre commercial de la région parisienne. Depuis son ouverture, en novembre 2014, cette enseigne ne désemplit pas. Les gens se pressent pour acheter ce qu'on appelle du frozen yogurt. Du yaourt glacé fabriqué à partir de lait écrémé et de sucre. En France, ce concept marche bien car nous sommes un des plus gros consommateurs de yaourt au monde. On dit que c'est plus sain, c'est plus équilibré qu'une glace où on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ouais, c'est plutôt sympa, c'est pas trop gras, pas trop sucré, donc ça change un peu des crèmes glacées un peu trop lourdes. Donc ouais, c'est une bonne alternative, surtout pour cet été. La marque communique sur ce côté diététique. On nous vante un produit faible en matière grasse, source naturelle de calcium et de protéines. La force du concept, c'est de travailler avec un produit effectivement, qui est beaucoup moins calorique qu'une glace. On est à peu près à 100 kcal pour 100 grammes, contre une glace qui est autour de 300-350 kcal. Sauf que ces 100 calories, c'est uniquement pour le yaourt nature, sans les garnitures que l'on rajoute dessus, les toppings. Ce peut être des fruits, mais aussi des choses moins diététiques. Quels sont les toppings qui marchent le mieux là, les stars? Alors, les toppings qui marchent le plus, Oreo, Crunch, Toblerone, Kit Kat, le chocolat. Regardez ce grand pot, le client peut choisir 3 garnitures. En rajoutant 2 cuillères de biscuits et 1 cuillère de crème caramel, les calories font plus que doubler. Résultat, le frozen yogurt n'a que très peu d'avantages par rapport à une crème glacée traditionnelle. Et si l'avenir de la glace n'était pas d'être plus light, mais de se consommer autrement? Lyon, un des hauts lieux de la gastronomie française. Sébastien Bouillet, nouvelle star montante de la pâtisserie, fait ce jour-là une démonstration à d'autres passionnés de plaisirs sucrés. Il présente un tout nouveau concept fraîchement débarqué de Thaïlande. Donc là, c'est une crème anglaise travaillée avec donc du lait, du sucre, un peu de stabilisateur. Comme une base de... Une base de crème glacée, voilà, exactement. Donc on n'a pas changé, ça c'est la même base. Une base qu'il agrémente selon son humeur. Quelques kiwis frais, un coulis de passion. Il travaille le tout avec des spatules sur une plaque givrante à moins 25 degrés. 2 minutes plus tard, les ingrédients sont hachés, le mélange commence à geler. Il suffit d'étaler. Ah là, je pense que là, un bon plâtrier peintre, là je pense que il serait capable de nous étonner même, je pense. Reste la mise en scène en petits rouleaux. Morceaux de gâteau, petits fours, coulis, absolument tout peut se transformer en glace. Donc là, c'est une crème glacée chocolat et on va mettre des petits morceaux de macarons. Ce qui
est génial, c'est qu'en fait, ça laisse libre cours à n'importe quelle imagination. Et là, on peut mettre du salé dedans. Donc, pour la base salée, en fait, on a mis un tout petit peu de sel et de poivre. Et puis après, on l'agrémente. Donc là, par exemple, je vais faire tomate, basilic et chèvre. Donc ça peut très bien aller pour un apéritif, ça peut aller, on imagine ça sur une réception traiteur, et ben, au début on fait du salé et puis ensuite on passe au sucré. Donc en fait ce qui est bien c'est qu'on fait le début de la réception jusqu'à la fin de la réception, donc ça c'est plutôt, plutôt génial. Tout un repas glace quoi. Tout un repas glace, bon ça sera pas, moi j'adore la glace, moi ça me plaît bien cette histoire. Ce jour-là, démonstration avec du foie gras. Les chefs cuisiniers qui assistent à la présentation sont épatés de ce qu'on appelle les freeze rolls. C'est impressionnant. La rapidité à laquelle est faite la glace, par un appareil neutre, on mélange juste le foie gras à la truffe. Et le résultat est assez bluffant. Depuis quelques mois, la société qui commercialise ce concept a déjà séduit plus d'une vingtaine de chefs et de pâtissiers. Car ils le savent bien, les consommateurs sont de plus en plus adeptes de produits réalisés sous leurs yeux, avec des ingrédients qu'ils peuvent choisir. Quelle que soit la glace, avant de la savourer, penchez-vous sur sa composition. En supermarché, évitez les produits avec une liste d'ingrédients trop longue. Et chez l'artisan du coin, méfiez-vous des couleurs vives et des glaces trop gonflées. Mais surtout cet été, régalez-vous. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle la glace italienne. Chocolat blanc. Oui. Ah bah oui. C'est goûtu, hein. On m'appelle le muffin. Voilà, il y a des petits morceaux. Voilà.